Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour plus de Grounded après la fin. Donc on va enfermer Wendell à l'intérieur. J'ai remarqué que si je laisse les portes ouvertes, les fourmis s'en vont. Bon, je sais que ça a l'air con hein, de le dire ça comme ça, mais... Enfin, elles s'en vont, c'est vrai faux en fait de dire ça. Parce qu'elles étaient toutes bloquées dans ce coin-là dans la dernière vidéo, dans notre... aventure là pour le cabanon, elles étaient tous bloquées là, j'ai ouvert les portes, elles étaient encore tous bloquées là, elles ont pas bougé. Après j'ai sauvegardé et rechargé la partie et j'ai l'impression que ça a reset en fait leur IA. Elles étaient toutes là et après elles ont détecté apparemment que la porte était ouverte et elles sont parties. Donc ouais, je crois qu'on va laisser au moins une porte ouverte et peut-être que le jeu va arrêter de me faire apparaître des fourmis à l'intérieur. Parce que je pense que quand tout est fermé, c'est ce qui se passe. C'est le problème de ce qui se passe, en fait. Enfin, bref. Donc, on va continuer. J'ai bien aimé, en fait, la dernière fois, notre petite excursion pour le cabanon. On a récupéré pas mal de choses et c'est plutôt intéressant parce que c'est un lieu, en fait, assez compliqué, assez dur. Ça, il faudrait que je fasse un deuxième frigidaire en fait. Pommes de pin, fourmis noires, menthe. Pommes de pin, fourmis noires, menthe. Alors, pommes de pin, ça doit être là. Pommes de pin, de la menthe. Et fourmis noires. Nickel. Wendell, laisse-moi descendre. Voilà. Comme ça, on peut mettre des choses comme ça à l'intérieur. Genre, en gros, tout ce qui est repas. Voilà. Hop. Tout ce qui est repas, plutôt, ici. Et là, ce serait... Genre, on peut mettre... ça prend les accents ou pas? Oui, ça prend les accents. Pardon. Rôti, ici. Et là, ça serait... Bah, les repas, en fait. Ouais, repas. Voilà. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est sympa comme ça. Donc, on va continuer notre petite excursion, là, du... Est-ce qu'il y a une fourmi? Ah non, il y a une... Je sais pas pourquoi elle s'arrête là aussi. Je sais... Enfin, bah, on s'en fout. On va continuer notre petite excursion du cabanon. Donc on va y aller. Faites attention à la mutation, elle est toujours buggée. Hein. Toujours pas une mise à jour pour ça. Donc n'attaquez pas les choses, en fait. Enfin, genre les asticots. Ou... Je crois qu'il y a d'autres choses, genre les charançons, tout ça. En fait, tout ce qui est pas agressif, apparemment, il y a l'air d'avoir des bugs avec ça. La torche, elle a encore une bonne durabilité. On va reprendre deux stacks de flèches, c'est très bien. Alors, on va passer la veuve noire. Alors, j'ai dû couper. Donc, je disais, on va passer la veuve noire. Je pensais utiliser un autre équipement. Enfin, honnêtement, je me sens beaucoup mieux quand j'ai l'équipement de la coccinelle. Mais je pense qu'avec ça, on devrait y arriver. J'en ai déjà combattu une veuve noire comme ça, au corps à corps, je parle, hein, avec cet équipement-là. Donc ça devrait aller. Que maintenant, j'arrive quand même à bien les bloquer et tout ça. Donc ça devrait aller. Mais ouais, on va faire ça, je pense. On va y aller. Donc ça, c'est quoi? On a une endurance de combat ici. On a une endurance de combat là aussi. Je me demande si... Parce que ça, c'est niveau 1. Ça, c'est niveau 2. Est-ce que, genre, l'endurance de combat est plus faible dans le 1 que dans le 2? Ça, je sais pas, ça. Mais ouais, on va faire ça. Give me a plate of this. On a les flèches, on a du soin, on est bon. Qu'est-ce que je vais utiliser comme... je vais utiliser la masse, on va utiliser ce bouclier. Ouais, on est bon, on peut partir. On est bon. Hop. On va fermer la porte, c'est pas fermé. Donc ouais, j'aime beaucoup cette petite excursion là que je me suis mis. Je voulais aller fermer la menthe, la mantis, la menthe. Mais honnêtement, bah, j'avais pas trop envie de me faire chier. Everything looks good from here.
Parce qu'elle est quand même un peu difficile, j'avais pas trop envie de me prendre la tête en ce moment. Et je me suis dit, tiens, le cabanon semble bien parce qu'il y a plein de types de d'objets en fait rares de niveau 2 et niveau 3, de tiers 2 et tiers 3. Donc autant faire ça, ça nous fait une petite farm tout en explorant et découvrant des choses quoi. Donc ça me fait plaisir. Et aussi une chose, je sors les épisodes après la fin en fait en avance. C'est parce que il y a au moins encore une vingtaine d'épisodes en fait pour le let's play normal. Et faut être honnête, pas trop de gens en fait sont intéressés par le let's play normal. Pourquoi ? Parce que, et moi je les conseille à chaque fois, c'est de découvrir le jeu par soi-même. Oh, me touche pas ! Ok. C'est de découvrir le jeu par soi-même. Donc du coup, il y a beaucoup de vidéos, il y a genre peut-être... je crois que pour Grand Dead, je vais arriver à 45 vidéos. C'est énorme. Donc du coup, ce que je fais la plupart du temps, c'est je vais en poster une de temps en temps, genre tous les deux ou trois jours et tout ça. Et après, quand j'en ai d'avance, comme là j'en ai beaucoup d'avance en fait, je les mets pour les membres en fait de la chaîne. Donc juste pour le niveau 1, ça suffit d'être membre pour le niveau 1. Et de voir en fait toute la playlist. Mais voilà, mais publiquement ça sort tous les 2-3 jours en fait. Parce que si je sors... Si je sors genre 30 vidéos en un jour, beaucoup de gens vont... Les gens vont pas apprécier. Les gens vont vraiment pas apprécier ça. Ah, ils sont déjà revenus? C'est chaud? What? Bah pourtant j'ai passé genre une journée en fait, que j'ai fait cette vidéo. Ouais non, dans le jeu en fait il s'est passé genre un jour. Une nuit quoi. Putain, les trucs réapparaissent super vite quoi. C'est incroyable. Bah dans un sens tant mieux. Ah mais du coup ça veut dire qu'on peut pas descendre, il y a plein d'araignées, non? En tout cas on va enlever ça parce que sinon ça va foutre la merde. Je sais pas si on remet œil de lynx. Ah oui, il y avait un truc que je voulais tester, c'est prendre un bâton, le bâton de feu. Je voulais prendre ça. Merde, j'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave. Complètement oublié. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais c'est toi là, qui me chie. Tant que tu me craches pas dessus, ça me va. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, œil de lynx, j'imagine. Faudrait un... autre chose. C'est pour ça que je veux prendre le bateau en fait, parce que du coup on peut utiliser le sorcier tailleur, donc ça va augmenter les dégâts. Et maintenant apparemment apparemment il y avait encore un bug sur les bâtons ou c'est quoi ça? Ah, c'est une goutte d'eau. Ou les augmenter en fait n'augmentait pas leurs dégâts. Donc les augmenter n'augmentaient pas leurs dégâts, c'était bugué. Est-ce qu'on a un fourman? Donc ouais, un peu relou. Donc maintenant je voudrais bien, j'ai augmenté les 3 bâtons au niveau 5, je crois. Ah ouais, toutes les araignées sont revenues aussi, putain, fais chier. C'est pas grave, on va... Ah merde, ouais, c'est vrai qu'ils sont beaucoup, ils sont 3. Bon bah... on va faire le tour par là en fait, que je veux monter sur ce tuyau là. Oula. Okay, ça va. Wendell? Ça va vite au final, hein. En moins de 30 secondes on les tue quoi. Donc
Donc ouais, c'est comme ça que je fais avec mes vidéos. Ça fait des années que je fais ça, honnêtement, parce que... des fois, en fait, j'ai trop de vidéos d'avance. Par contre, faudra faire gaffe, qu'il y a des loups qui se baladent maintenant. Enfin, de nouveau. Donc, je les mets pour les membres, s'il y en a beaucoup trop, en fait. Yeah, on n'utilise pas d'endurance, tellement pété maintenant ce truc, c'est top. C'est vraiment abusé. Je crois qu'ils auraient dû mettre 3 secondes de buff, genre pas utiliser d'endurance quand il y a ça qui kick en fait, quand il y a ça qui marche là, l'attaque imparable. Je pense qu'ils auraient dû mettre 3 secondes. 3 secondes ça permet de faire un enchaînement à la masse. Mais 5 secondes ça permet d'en faire 2. Donc c'est un peu OP honnêtement. Que la masse, ça fait mal et ça fait quand même beaucoup d'endurance. Donc ouais, je trouve ça un peu trop, mais bah c'est fun, hein, tant mieux. Roly poly, or as I call it, the black wheel of death. The black wheel of death. Alors on va zapper. Ils sont un peu chiants à tuer. Ouais, les objets sont pas revenus. Mais les monstres reviennent extrêmement vite. Y a pas... Je vais voir. Parce que je crois que les loups, elles sont par là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est elle. Après, les loups, peut-être que... Ah, quoique... Non. Non, peut-être que les loups, elles reviennent plus lentement. Peut-être qu'elle revient plus lentement. On va faire ça du coup. Non ! C'est chier. Parce que je veux voir s'il n'y a pas les scarabées du coup. Oh la vache, faut refaire le tour. Oh la merde. Bon, je le fais qu'une fois. On va le faire qu'une fois le tour là. Je refais une fois. Si je me loupe, bah on s'en va quoi. Enfin, on avance quoi. C'est con ce que je voulais bien passer par le trou, par le tunnel là qu'on a découvert avec les fourmis noires. Pour pouvoir prendre un raccourci en fait, hein, tout simplement. Rien de rien. Voilà ta maman. Okay, bon. Il arrive. Mais te loupe pas. Wendell! Non, Wendell, c'est pas le moment. Casse-toi. Wendell. Merci. Ok, cool. On est bon. Ah, c'est ça le tunnel qui est là, là. Ok, cool. On va voir si les scarabées reviennent. Ça m'étonnerait, honnêtement. Ça serait un peu pété. Je pense qu'il faut au moins 2-3 nuits en fait. Ouais non, j'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas les scarabées, rien non plus. Donc je pense pas. Ouais non, il n'y a rien du tout. Enfin, les acariens, pardon. Bon, bah du coup... Aïe. C'est con ce système de tomber, de... Quand on tombe de trop, que ça fasse mal, quoi, même dans l'eau, c'est un peu débile. Vous avez vu, c'est bien, hein, la torche. La torche peut éclairer de sous l'eau. Parce que c'est du charbon chaud, apparemment. Vache. C'est bon, on est bon. On va reprendre des champignons, hein. C'est chez nous. Je crois que sous l'eau, on a tout.
On a tout récupéré, donc on n'a pas besoin de... de chercher plus que ça. Alors, je vais voir si on peut pas... Yes. Alors, normalement, on utilise notre dague, mais... on l'a pas sur nous. Tu m'as mis ma flèche là-haut, et c'est faux. Tu m'as mis ma flèche là-haut. Faudrait bien récupérer ma flèche. Ah là là, faut qu'on coupe. Désolé, mais flèche, c'est important. Voilà, très bien. Je me demande si poison et saignement marchent aussi sur les trucs aquatiques. J'imagine que oui. J'imagine que oui, donc ça aussi c'est bien. Ouais, on avait laissé. Tais-toi. On avait laissé des pierres aussi parce qu'on était trop plein. Après, je crois pas qu'il y ait grand chose ici. Ah oui, peut-être sur ces tuyaux là. Peut-être là aussi, le dessus. Je sais pas si on peut y accéder en fait. Voyons voir. Ah oui, il y a ça aussi. Il faudrait que j'en récupère. Attendez, il y a un peu de lumière. Ça, c'est un peu relou à récupérer aussi dans le jardin. Donc si on peut en récupérer un petit paquet ici, honnêtement, ça m'arrange. Ça m'arrange un peu. Ah putain, c'est noir, noir, noir. Hop là. Ah! À 25, quoi, c'est bien. Ah, on se remplit vite ici, hein, avec tous les types de trucs. Mais c'est comme j'ai dit, hein, c'est tout le temps des super objets. Donc. Il y en a plein, c'est ouf. Hein. Tais-toi, Wendell, parce qu'il n'y a pas. Genre, tu peux voler, genre vol, mais pas près de moi, quoi. Qu'est-ce que je te dis ? Il y en a deux, ouais.
Eh bien deux. Merci Wendell. C'est pas nécessaire mais... Oh putain. Apparemment je me suis loupé. Ok, très bien. Eh ben. Oh là là, il y en a combien des moustiques? Il y en a beaucoup hein. T'es sûr, putain. Adieu. Poison, poison. Honnêtement, comme j'ai dit, des fois il est utile. J'ai remarqué que Wendell nous aide pour les défenses, pas de base, mais quand on fait apparaître des monstres là, avec genre la sorte de coccinelle morte là qu'on peut crafter. Bah, apparemment, il combat pour ça, Wendell. Je comprends pas trop, mais il combat pour ça. Après, je crois pas qu'il combatte pour les défenses de base, là, quand on se fait attaquer de temps en temps. Mais Et après, bon, quand il y a les orques, ça, il combat, par contre. Donc, il est utile. Pas trop bouger. Ah, très bien. Putain, il y a déjà des bêtes noires ici, quoi. Ça lag un peu. Cette partie-là, ça lag un peu. Il y aura beaucoup d'ennemis, en fait. Entre les petites veuves noires, là, il y en a beaucoup. Déjà pas. Bon, bah, si vous êtes débile, hein, pas ma faute. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est des trucs sous l'eau qui m'ont aggro? Ouais, c'est des trucs sous l'eau qui m'ont aggro. Alors. Ouh. Ont pas l'air d'avoir pris putain. Bon, normalement la veuve noire elle sort pas elle-même donc ça va. Faut aller la chercher. Par contre un truc qu'on va mettre c'est ça pour bloquer. Non. Non, je vais devoir me retaper le chemin, je crois. Est-ce qu'on peut pas remonter? Putain de merde. Ça, il faut... J'ai pas de dague.
Bon, désolé, hein, on fait le tour. On refait le tour. Le repas est déjà fini. Putain, ça va vite. Hein. Rub time. Ah, ça fait déjà une... C'est déjà une demi-heure en fait qu'on est là, hein. Ça va vite. Hein. On s'amuse. Alors la dernière fois qu'on avait fait cette veuve noire ici... ouais, ça c'est le tunnel. On est mort 3 fois je crois. Alors la première fois, on est mort mais alors vraiment bêtement. Genre elle avait plus de vie du tout et voilà, je me suis... J'ai complètement oublié mais ce que j'avais appris avec Dark Souls, de jamais rush. Que j'ai rush, j'avais plus d'endurance, elle m'a mis par terre, elle m'a tué. Voilà, j'ai voulu vite la finir. Parce qu'elle était très bas en vie et c'était une grosse erreur. Après, je sais plus trop quoi. Oh oui, on s'est fait tuer parce qu'elle avait un mouvement super rapide, c'était un peu étrange. Bah, peut-être qu'on est mort que 2 fois. Et après, on l'a tué en la noyant en fait. Voilà. Ok. Faut regarder les petites là, voir où elles vont. Ah, elle est pas là? Bah... What? Ah. Ok. Wendell, dis-moi, tu détectes une veuve noire ou pas? Parce que maintenant, des fois, je fais pas trop confiance au jeu, vu que les insectes peuvent se bloquer, en fait. Il y a énormément de sacs, par contre, ici. C'est vrai que là, c'est un bon endroit de farm. On va juste en détruire un. Voir ce qu'il peut avoir dedans. Poche de sang, enfin, c'est pas le top, mais déjà 2 stacks de toile, ça sert à rien. Mais ouais, on sait jamais que les ennemis soient dans le décor. Et ça arrive souvent, ça. Par contre, les petits sont très loin. Quoique, en fait... Oh non, on doit être bon. Hein. Merde. Qu'on va tomber nez à nez avec la veuve noire dans le tunnel. Je vais voir si ah, c'est chaud. J'ai envie de mettre le casque de minier en fait, juste au cas où si on doit. Je me rappelle pas cet effet noir là. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, mais c'est de la toile. C'est juste que ça fait un effet noir bizarre en fait sur la toile. Oh, c'est super spooky quoi. Ah la pute, qu'il y en a encore.
Ok. Roly poly, or as I call it, the black wheel bon, vite, of death. On se met là, voilà. Comme ça, on est safe. Oh, j'avais pas vu. Il en avait point vu, voyons. D'accord. Ça va être chaud de... Oh non, le jeu... Mais non, mais me fais pas ça. Ah non. Putain, je le déteste. Oh, non. Ils sont là? Oh, le jeu de merde. Attends, on a une sauvegarde de toi? Ah, Obsidian. Putain. Ah, vous m'énervez de temps en temps. On a toutes les pierres, elles ont cassé. Elles ont passé la... Passé à travers la texture du bidule, là, qui est... Où il y a la science, là. Trop bien, je peux rien faire du tout. On a perdu les pierres. C'est des pierres niveau 3 en plus, quoi. Putain, je peux pas glitcher, genre... Ah là là, putain, elle est toute, hein. Genre 100% de la truc s'est passé, quoi. De la grosse pierre. Attends. Est-ce que je peux... C'est mort. Non, c'est mort. Bon, bah c'est super. Ça me fait plaisir, tiens. Alors, pour le moment, bon, des roly-poly. Des roly-poly x2, 3. Est-ce que 3, 4, 5, ok. There's a roly-poly. The Insect Kingdom's battering ram. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que alors là, on a vraiment pas... Ouais, bah voilà. On a vraiment pas cherché grand-chose. On a vraiment pas fait le tour du tout. Donc on devrait pouvoir trouver des trucs intéressants. Sauf si ça glitch encore. Hein? Bon, il y a l'air d'avoir des toiles en fait à l'extérieur, mais... Pas l'air d'avoir grand chose en fait. Pas de monstre à 8 pattes. Donc là, on est au-dessus. Attends, il y a des. Oh, il y a, ouais. Il y a de la possibilité là. Il y a de la possibilité. Ça va, j'en récupère un. Donc on pourrait aller sur ce tuyau là. Et après, il y a ça, là. Et un bonbon. Je vois de la veuve noire. Je vois des petites. Je vois que des petites, ça va. Nickel. Ça va peut-être être notre dernier épisode dans le cabanon. Hein. Puis après, bon, les petits trucs, genre les morceaux de science et tout ça, honnêtement, pas vraiment important. Ça, je les ferai de mon côté quand je passe à côté, quoi. Oh! Oh! Évidemment, ça c'est du niveau 2. C'est pas du niveau 3. Parce que sinon ça serait trop bien. Bon. Donc ça c'est bien, on en a plein. Ça je m'en fous un peu. Ça je m'en fous un peu. Les toiles je m'en fous parce que j'en ai trop. On est pas mal là. Ok, c'est pas mal.
a l'air d'avoir un chemin en bas. Mais d'abord, faudrait aller voir les tuyaux. Par contre, là, genre, un problème. Ouais. Faut refaire le tour. Voilà, 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 voilà. Ok. C'est très bien pour faire des flèches. Il parle trop, faudrait vraiment qu'il code ça mieux quand même. Hein. Comme je l'avais dit, hein. Des fois on peut les faire genre... on peut faire parler notre personnage genre 3 fois d'affilée ou 4 fois d'affilée, c'est un peu abusé. Un truc qu'il faudrait qu'on fasse... Ok. Non, pas qu'il faudrait qu'on fasse, faudrait qu'il fasse. Je sais plus ce que je veux dire. Ah, c'est bon, on s'en fout. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Je voulais parler de quoi? Encore de la toile ici, quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça devait pas être intéressant, j'imagine. That was refreshing. On va bientôt plus avoir de repas. Donc, est-ce qu'on peut... Alors, remonter. Alors, est-ce que... You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. Everything looks good from here. Plein d'eau, ça c'est bien si on veut survivre. Ok, voyons voir un peu ce qu'il y a. Oh mon dieu, tout ce qui saute, tout ce qui tombe. Dieu, ça saute partout, quoi, c'est ouf. Jamais les retrouver. Ah, par contre, là, il y a un pilier, là. Faut y aller. Là, il y a un truc en bas aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait se faire quelques roly-poly. Hein. En fait, je pense que... On peut genre finir notre épisode en tuant les roly-poly et après on se casse. Parce que j'ai pas l'impression. Je pense qu'on a tout fait. Non, pas tout. Non, attends, parce que là... Oh la vache! Oh la vache, 3 fois. Mais putain, je vois que dalle, quoi. Je sais que la truc est en train de me taper. Oh la vache. Attends, on va peut-être faire ça. De faire ça parce que ah, putain, on peut faire ces codes. Ouais, non mais attaquez pas les roly-poly, hein, s'il vous plaît, hein, soyez cool, hein. Soyez cool les araignées. Ah, oh, putain. Je vois rien, je vois rien.
je crois qu'on est bon. On est bon. Bon bah c'est 3 dents. Oh. Quoi ? Il faudrait des fusées là, qu'on balance en bas. Ah là il faudrait vraiment des fusées. Donc il y a ce tuyau là, ça c'est le grand tuyau. Est-ce que peut-être... ouais non, aller sur le grand tuyau ça serait intéressant je pense. Je sais pas. Je pense qu'on a plus ou moins tout fait... Enfin, je veux bien faire les roly-poly, mais le problème c'est la lumière. Le problème pour moi c'est la lumière, parce que sinon on va devoir jouer dans le noir. Et c'est un peu la merde. Un peu la merde. C'est pas trop mon kiff en fait. Bon, on fait voir là. Après, qu'est-ce qu'on avait dans le laboratoire? Rien. Hein. Ouais, je crois que je peux plus remonter là. En fait. Ah quoi que. C'est quoi ça? Ah putain. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas grand chose. Il y a juste ce tuyau là, je voudrais bien aller dessus. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Peut-être là-bas là. Non, là-bas, je vois pas de. Pas de moyen en fait. Ah, quoique, peut-être sur le câble noir. Hop. Et après, on va là. Je sais pas. Ah, mais je crois qu'on a tout. On a fait le tour. Je crois qu'on a fait les choses les plus importantes et je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Après, je me rappelle plus vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le, dans le laboratoire? Je sais que c'est le laboratoire Windel, mais... Je crois qu'on avait tout fait. Faut que j'augmente mon... Ah oui, c'est vrai qu'on a laissé les choses... Faut que j'augmente ma masse aussi, faut que je la finisse. Il y a plein de petites choses, faut que je finisse. On a fini l'arbalète au niveau 9. Faut que je fasse la masse au niveau 9 aussi, comme ça c'est fait. Après les équipements ça va, j'ai beaucoup d'équipements niveau 9. Mais c'est juste les armes en fait. Pas mal aussi de revenir sur nos pas, parce que c'est vrai que des fois j'ai laissé des objets par terre et les objets restent en fait. Ouais, c'est bon, il n'y a pas plus grand chose. Bon bah c'était une bonne petite aventure hein, honnêtement. Bon, un peu déçu, bon il n'y avait pas la veuve noire, du coup bah ça nous a pris beaucoup moins de temps que prévu. Si la veuve noire ça nous a... on aurait dû la combattre un peu plus. Là il n'y a rien. Le combat du foreman était cool honnêtement, j'ai bien aimé moi. Vraiment bien aimé. Ah oui, je me rappelle maintenant. Les repas. C'est les repas ici qu'on avait laissé. Fais voir un peu. Alors, on a de quesadillon, tour, permis, spaghetti. Ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'avoue que c'est un peu la merde.
Le burger de bœuf, je veux bien le prendre et on le garde de côté. Après, après c'est bof. Le burger de bœuf, à la limite, on peut prendre ça. Ouais, burger de bœuf et on rentre. Après les autres repas. It's no women crime, but it's better than nothing. Et là, on est chez les termites. C'est parti, on va changer de casque. Nice and safe. Non, on va changer de casque. Quelle heure ? À 5 heures, ça. Ah, bah attends. Bon, bah on va partir. Wouah, le saut, quoi, gigantesque, ça pue, c'est... Ah, très bien. Ah, je dirais pas non pour le bonbon, peut-être. Ouais, je dirais pas non pour le bonbon. On va rentrer. Je crois que ça va être la fin de notre épisode. Ah non, peut-être pas. Je crois que j'ai un truc à faire ici. Allez, du sel. J'ai un truc à faire ici. Je voulais le faire, mais au final, je l'ai pas fait. C'est ça là-bas. Là, il y a une dent. Il y a une dent, mais il y a des araignées aussi. Donc on va faire ça. On va prendre ça aussi. Nickel. Everything looks good from here. Ah ouais. Bizarre. Il y en a en haut. C'est étrange. Bon bah on va se casser. Hein. Ça va Wendell? Bonne chance. Hein. Bon bah. Je vais pas me plaindre. Hein. Je vais pas me plaindre. Hein. Ah non. Viens ici. Ah putain. C'est horrible ça. Alors par contre je voudrais bien récupérer le sel quand même. Le sel comparé à n'importe quoi c'est mieux. Le sel, il m'en faut, parce que j'ai augmenté des armes en sel. Oui, dernièrement, j'ai augmenté... Je sais pas si je devrais faire une vidéo sur les armes. Il y a déjà tellement de vidéos sur Grand Dead, honnêtement. Moi, je suis complètement à la ramasse, hein, par aux autres. Mais, j'aime bien, en fait, parler du jeu, donc... je sais pas. Parce que quand même, les avis diffèrent, en fait, sur certaines armes et tout. Je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on peut monter par là? Je crois que oui. On va faire ça. C'est parti. Nyon. Mouin. J'irais bien prendre du charbon aussi, mais j'ai pas l'équipement pour. Oh l'élan, c'est débile quoi. Oh, c'est débile l'élan qu'on a.
Avec cette vitesse, c'est incroyable quoi. Non, ouais, non, c'est un peu débile quoi. Mais ouais, genre les armes intéressantes. Ah oui, aussi depuis que la 1.0.4 là, il y a cette arme qui a été un peu réduite en dégâts. Celle-là, elle a perdu genre 15% je crois de ses dégâts. Bah alors moi elle était déjà pas au niveau et tout, mais je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui l'utilisaient genre pour farmer la reine araignée. Mais honnêtement je trouve qu'on n'a pas vraiment besoin du vol de vie. Donc moi ce que j'ai fait c'est que la cimetière là, on l'appelait, elle est beaucoup plus puissante quand même. Elle a bah, un cran plus. C'est celle que j'ai commencé à augmenter. Donc je vais essayer de faire de la reine araignée, voir un peu les dégâts qu'on peut faire. Après, bon, le katana de feu, ça marque aussi. Mais bon, en solo, je préfère quand même avoir un bouclier. Après, elle est pas très dure, hein, mais c'est des fois pour la farmer, vous savez, genre plusieurs fois d'affilée. La dernière fois, j'ai fait combien de combats? Je crois que j'ai fait 5. Ah non, mais je suis rentré parce que j'ai changé d'équipement entre temps. Non, je suis rentré. Ouais, parce que en fait, il me fallait quand même le set de la coccinelle et tout. C'était quand même mieux. Donc ouais, je suis rentré. Mais je crois que je l'ai fait 3 fois d'affilée. Mon meilleur. Mais bon, maintenant que je la connais bien, honnêtement, je peux faire sûrement 5 combats d'affilée sans problème. Avec les soins que j'ai et tout. Par contre, il y a... Ouais, la menthe, ce qu'il faut que je fasse encore un peu. Puis de toute façon, il faut que je refasse la reine parce que je voudrais bien son accessoire. Donc elle a un accessoire unique. Et je crois que ça fonctionne avec sa mutation, avec l'influence maternelle. Où ça va donner en fait le pouvoir d'empoisonner aux petites araignées là qui apparaissent. Parce que de base, elles peuvent pas, elles font juste taper, elles ont genre un point d'HP en vie, je crois. Mais je crois qu'avec donc son accessoire à elle, ça permet qu'elles empoisonnent. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Non, c'est un gadget plus qu'autre chose, mais pourquoi pas l'avoir, quoi. C'est surtout ça. Il faut que j'aille récupérer des choux de biceps aussi, il y a plein de trucs. Il faut du charbon, il faut de la pierre et de l'argile aussi, c'est ça aussi, ça part vite. Là, il faudrait que je fasse peut-être une base aussi, j'ai toujours ça, j'ai toujours rien fait de ça. Ouais, peut-être que je fasse une base aussi, genre dans l'arbre, une grande base et tout, tranquille, serait bien. J'en sais rien. On est bon. Oh, ha! That's interesting. Faut que j'ouvre les deux portes pour que les fourmis me laissent tranquille ou quoi? Ah oui, j'ai cassé ce mur-là parce qu'il y en avait une toujours qui apparaissait à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Donc j'ai cassé ça aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde! Tastes good. Attends. Ah putain, il y en a plein partout. Oh là là. Large orc incoming. Ah les orques, c'est de la merde. J'avoue que ça c'est un problème, les orques. Parce qu'ils font très mal et ils ont grave de la vie. Et c'est casse-couille d'une force. Ma vie, j'en ai plus quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma vie?
Ah, j'ai reçu une carte en or. Je crois. Non ? Regardez en haut à droite là. Me montre une carte en or. Oh Wendell, qu'est-ce que t'es relou. C'est quoi qui fait bouger les feuilles encore? Il y en a encore une là. Ouais, clopeur bombardier en or, ok cool. Par contre je veux bien récupérer... Pas les bouts en fait. Qu'est-ce qu'on peut virer? Qu'est-ce qu'on peut virer? Ça va aller vite. Surtout ça en fait. Ouais, c'est rare. Ok, allez on rentre, on rentre. Plus ils sont super violents, les orques. Ça te casse ta base. C'est quoi qui fait bouger les feuilles? Très bien. Ah putain, c'est toujours pas fini. Non, putain, j'ai plus d'ambiance. Ouais, ça c'est un truc que ils auraient dû faire en sorte de plus que ils apparaissent plus en fait une fois que vous avez tué je sais plus comment il s'appelle le responsable hein. Ils auraient dû faire en sorte qu'ils apparaissent plus, mais bon après du coup on pourrait plus fabriquer ça parce qu'on n'en trouverait plus, genre les trucs de défense là. Mais honnêtement, ça sert pas à grand chose. C'est où les choses de défense? Ça. J'ai voulu en faire, mais après j'ai vu que ça faisait des morceaux d'acide. Donc j'ai dit non. Parce que c'est rare, c'est chiant. Quoiqu'après, les morceaux d'acide, honnêtement, je les utilise pas. On ne fait pas d'armes acides. Comme j'ai dit, ça sert à rien les armes acides à la limite. C'est un peu le truc débile, c'est que ça sert vraiment à rien les armes acides. Ça sert pour combattre... des robots, mais les robots, une fois que vous les avez tués, c'est fini quoi. Ils réapparaissent pas, rien, donc c'est vraiment une perte de ressources en fait. S'il y avait un endroit où il y avait où il pourrait avoir plein de robots et que ça serait une sorte de biome robot ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Là, oui, ça justifierait là, le fait de faire ça, mais par contre, j'ai plein de... Je crois que j'ai un problème au niveau des coffres, moi. I could devour a Billy Hawk right about now. C'est quoi qui marche là-bas? Ah, c'est une coccinelle qui a l'intérieur. J'ai un problème au niveau des coffres, moi. Ouais. Un gros problème. On peut peut-être faire de la corde comme ça. On aura en avance. Après j'ai commencé un peu à faire du charbon, donc j'ai quelques ciments maintenant. Est-ce que je vais faire des défenses en ciment? Non, honnêtement non. Ça dépendra vraiment des endroits, mais je vois pas vraiment l'intérêt honnêtement. Les briques, ça reste quand même plus intéressant. Vous voyez qu'elles sont connes les fourmis? Vous voyez qu'elles sont débiles? La porte elle est ouverte pourtant. Il n'y a rien dans le mur. Strictement rien dans le mur. Il faudrait faire une petite ouverture en fait. Il faudrait peut-être que je fasse des petites ouvertures pour que les fourmis passent. Ça fait con hein, mais... Peut-être. Il faudrait peut-être que je range tout ça aussi.
Ah merde. Ok. Ah oui, un truc qu'on peut faire aussi qui me manque, que j'ai toujours pas fait, c'est les mixeurs là. Donc il y a un mixeur qui est pas loin, qui est vers les fourmis, je crois que c'est ça. Ouais, le mixeur. Donc ce mixeur là, je l'ai défendu, je l'ai blindé de mur. J'ai pas fait les autres pour le moment, mais celui-là je l'ai blindé de mur. Donc on va pouvoir faire ça. Je pense que la prochaine fois, bah tiens, on va faire de la défense. Et on va commencer à faire les mixeurs, parce que j'en ai fait aucun en fait. J'avais testé pour voir comment ça se passait. Bon bah le truc ça a échoué, hein, parce qu'on n'était pas prêt du tout. Donc du coup, j'en ai fait zéro. J'en ai fait vraiment zéro. Donc on va pouvoir en faire. Je sais pas comment m'équiper honnêtement pour les défenses, parce que c'est beaucoup de monstres et tout qui viennent. Donc on va voir. Je pense que ce set en fait est plutôt bien, est plutôt potable. Ou après on se met en pure mêlée, donc pure mêlée, moi je me mets en pure mêlée, c'est avec ça en fait. L'équipement des araignées, arachnéennes. Ou alors on se met avec la coccinelle, mais bon. Pour le moment l'arachnéenne a fait du bien, je trouve, avec le poison là. Donc ouais, on pourrait faire ça la prochaine fois. Ouais, on va pouvoir commencer les défenses, je pense. Je vais les faire petit à petit, les mixeurs. Ça a l'air fun. Donc ouais, je suis assez content pour ça. On fera ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.